surtout, c'est que on a été dominé un peu dans l'intensité. Bon, on savait qu'ils avaient plus de rotation que nous. On savait que nous, il faut qu'on soit à 100%, qu'on n'ait pas de malade ou de blessé. On a une semaine un peu difficile au niveau entraînement avec Ousmane Camara qui s'est pratiquement pas entraîné, Jenkins qui était malade, Nico Hayes qui n'a pas fini la semaine. Et ce soir, ça s'est ressenti en termes d'intensité, en termes de combat. On n'était pas prêt à jouer contre Cholet. Plus, ils ont un effectif assez large. Et ça nous a fait mal, notamment dans le dernier quart. Le samedi, c'est la même chose. On est la petite équipe, donc on n'est pas toujours respecté. Et des fois, il y a des coups de sifflet qu'on ne comprend pas toujours, mais bon, voilà, de toute façon, il faut qu'on fasse avec. Il y a certains joueurs, certaines équipes qui peuvent jouer physique, qui peuvent combattre, et puis d'autres qui apparemment n'ont pas le droit. Donc à partir de là, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on arrive quand même à rester sur le terrain et à être productif. Et ce soir, pour parler de certains joueurs, ils sont passés un peu au travers. Donc on les a bien aidés, je pense aussi, parce que les coups de sifflet, notamment sur Yann, la troisième faute et la quatrième, c'est bon. Il y a dû être surpris qu'on y cible ça. On va dire ça comme ça.